Je vais passer la parole à Stéphane Rière, qui est chargé d'études principales mobilité réseau à l'Agence d'urbanisme, qui va présenter notre invité intervenant et le programme. Merci Viviane. Je suis heureux de vous retrouver toutes et tous. Aujourd'hui, on va effectivement parler drone et on va avoir un déroulé habituel de matinale en deux temps. On aura un premier temps d'intervention où l'agence d'urbanisme va vous présenter quelques constats, quelques enjeux par rapport au développement du drone. Et dans un deuxième temps, on aura une intervention de Terence, directeur, cofondateur de l'école 22, l'école des métiers du drone de Mulhouse, qui pourra nous dire, nous expliquer la démarche actuellement en cours, ainsi que les perspectives futures. On a vraiment un exemple mulhousien pour illustrer en fait ce grand changement qui a c'est tout début. Donc, sans transition, moi, je vous propose de vous présenter les grands quelques éléments. Donc là, j'ai partagé mon écran de présentation. Et donc, ma présentation, elle va se dérouler en plusieurs temps. On aura d'abord un premier temps où je vais vous donner quelques données de cadrage par rapport au drone. Savoir quelles sont les dynamiques actuelles, quels sont les enjeux, quelles sont ses perceptions. Et dans un deuxième temps, je vais donner quelques exemples d'usage, quelques exemples d'impact potentiel sur les territoires et quelques éléments de perspective. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on est dans un phénomène un peu d'explosion de Big Bang des mobilités. Alors, quand on dit ça, on peut se dire oui, c'est très bien, mais pour bien comprendre ce phénomène, il faut remonter le temps. Avant 1800, par exemple, on se déplaçait à cheval ou à pied. On transportait les marchandises aussi également, soit à dos d'homme, soit par chevaux. Au cours du 19e siècle, on a eu le chemin de fer qui est apparu. Donc, ça a été vraiment le siècle du chemin de fer. Après, au cours du 20e siècle, on a eu une première phase avec le développement des transports collectifs, du vélo. Et dans une deuxième moitié, on a eu un fort développement de la voiture individuelle, du transport camionné. Donc, ça a été le siècle vraiment de la motorisation thermique. Et depuis, je dirais, les années 2010, on a également de nouveaux modes de transport sur nos territoires, à savoir les nouveaux véhicules électriques individuels, les gyro-roues, les trottinettes électriques. On a également des modes de transport qui sont de plus en plus connectés, c'est-à-dire qu'on peut acheter des tickets de transport collectif avec son smartphone, on peut faciliter le vélo partagé, on peut avoir accès aux horaires, etc. On a également une mobilité qui est en train de devenir de plus en plus électrique. On a les vélos électriques qui connaissent une explosion, tout comme la voiture. On a des bus électriques. On a également le caractère autonome des modes de déplacement qui est en train d'émerger. Il y a un certain nombre de travaux, de réflexions par rapport à la voiture autonome. Et au milieu de tout ça, on a également le drone. Alors le drone, aujourd'hui, il y a des expérimentations pour le transport de marchandises, même des réflexions plus lointaines pour le transport de personnes. Et le drone, il est un peu tout à la fois. Il est à la fois numérique, il est électrique, il est autonome et il se déplace également dans la troisième dimension. Et je vais juste vous donner rapidement une définition d'un drone. Un drone, c'est un aéronef qui n'est pas piloté, il est piloté soit à distance via un opérateur ou il a un caractère totalement autonome, c'est-à-dire qu'on le programme pour qu'il effectue un déplacement d'un point A à un point B. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que le drone, c'est un gadget ou une révolution? Alors, pour répondre à cette question, rien de mieux que regarder quelques chiffres, un petit peu la situation actuelle. Par rapport au marché du drone, ce qu'on remarque, c'est que le chiffre d'affaires de la vente de drones vendus dans le monde s'élevait à 3 milliards de dollars en 2020 et le chiffre d'affaires projeté en 2025 s'élèverait à 14 milliards de dollars. Donc, on a une belle exponentielle qui est projetée. On a également la Banque publique d'investissement, un organisme sérieux,
qui, dans l'une de ses notes, d'il y a quelques mois, a indiqué que le marché du drone professionnel va littéralement exploser. Et cette explosion, elle est liée par la démultiplication des usages. On peut utiliser le drone pour faire plein, plein de choses. On verra plus tard. Et Terence pourra vous l'expliquer aussi par la suite. On a également un état des collectivités qui s'intéressent de plus en plus à la filière du drone. Par exemple, l'Institut Paris Région avait fait une analyse de la filière drone en Île-de-France, où à où se localisaient les entreprises, quel volume d'emploi ça représentait, est-ce qu'il y avait lieu de fédérer quelque chose, de faire un jeu d'acteurs autour de cette filière drone. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Il y a également même des études au niveau de l'État sur cette filière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus sérieux et concret. Donc, la conclusion, c'est qu'on est au tout début de l'histoire. Alors, quand on est face à une nouvelle technologie, quand on est face à quelque chose de nouveau qui arrive, il est toujours intéressant de voir quelle est la perception des habitants par rapport à cette nouvelle technologie. Il y a une grande enquête qui a été faite par un bureau d'études spécialisé en 2018 par rapport aux perceptions du drone des Français. Donc globalement, 90% des répondants le trouvent technologique, 80% innovant, les répondants le trouvent tendance, utile, avant-gardiste, ludique, attrayant, écologique, c'est un petit peu moins bon, 54%, bien réglementé, seulement 21%. Par contre, il y a un certain nombre de réponses qui étaient moins flatteuses. 40% des répondants le trouvent effrayant, 41% le trouvent superflu et 59% le trouvent dangereux. Par contre, ces chiffres sont toujours à nuancer parce qu'il y a quand même un attrait par rapport aux drones professionnels. Souvent, quand on pose ce genre de questions, les gens répondent par rapport au prisme du drone de loisir qu'on a à la maison. Et par contre, quand on parle drone professionnel, la vision des personnes enquêtées est beaucoup plus positive. Donc, globalement, on a une perception qui est positive, mais on a aussi des craintes. Donc, par rapport aux drones et pour accompagner ce développement, il y a deux options. Soit on se dit, oulala, le drone, ça fait peur, ça va nous surveiller, ça va prendre des photos de nous, on va avoir des éteints drones en ville qui vont faire du bruit. Alors bon, cette posture, elle est un peu épouvantail, elle est bien sûr à éviter. La deuxième option, c'est l'idée de connaître les potentialités et se projeter dans l'avenir avec l'outil drone. Alors comment faire? Tout d'abord en suivant la réglementation, en suivant également les usages potentiels qu'on peut en faire, en faisant également de la veille par rapport aux démarches des constructeurs de drones et des logisticiens aussi. Il y a le monde économique qui s'y intéresse beaucoup. Terence pourra nous l'expliquer tout à l'heure. Et également anticiper les aménagements qui seront à déployer par rapport à la ville de demain pour accueillir le développement du drone. Donc, c'est bien sûr la deuxième option qui est la plus souhaitable. L'idée, c'est vraiment de se tourner vers l'avenir. Alors, comment faire? Première chose, c'est au final, le drone aujourd'hui est quand même un outil qui est particulièrement réglementé au niveau français. Donc, ça, c'est une carte qui est disponible sur Géoportail, qui donne les restrictions de vol pour le drone de loisir. Donc, là, on a une carte qui représente le sud d'Alsace, les zones rouges, c'est les zones urbaines sur lesquelles les drones de loisirs ne peuvent pas survoler. Quand il n'y a pas d'aplat de couleur, le drone peut survoler librement la zone dans une limite de 120 mètres d'altitude. Donc, il y a déjà un certain nombre de choses qui existent. On a également une nouvelle réglementation européenne qui entre progressivement en vigueur depuis 2021 et dont les décrets d'application au niveau national devraient s'étaler jusqu'en 2023. Et dans cette réglementation européenne, il y a par exemple la nécessité d'avoir un numéro sur son drone si on fait des photos aériennes. Et il y a également aussi la nécessité de passer un tout petit test sur le site Alpha Tango. C'est un site de l'État, si on souhaite piloter un drone de plus de 250 grammes. Donc, ce petit test, ça consiste à connaître des questions de réglementation. Hein. C'est pas un test de pilotage. Donc, on a une utilisation qui est très encadrée par la loi au niveau national et même au niveau international. Aux États-Unis, il y a quand même aussi des mesures très, très strictes par rapport au drone.
Donc, au-delà de la réglementation, le drone, il a vraiment une utilité, notamment en termes de logistique médicale. Alors, aux États-Unis, justement, lors de la crise du Covid-19, qui est toujours malheureusement en cours, il y a eu le développement de livraison de médicaments par drone, livrés des pharmacies. Donc, ça avait plusieurs avantages, c'est que c'était rapide et que ça évitait d'avoir des contacts. On a aussi une expérience qui a eu lieu en 2019. Il s'agit de livrer des greffes d'organes au niveau des hôpitaux universitaires. Alors, c'est une démarche qui a vraiment une utilité parce qu'on gagne du temps. On évite de faire circuler une ambulance dans une agglomération engorgée. Et du coup, on a plus de chances que l'organe arrive en bon état et puisse être transplanté sur la personne qui en a besoin. Donc, je dirais, c'est vraiment quelque chose de. Je dirais, on n'est plus dans la science-fiction. On a un autre exemple. Alors là, c'est au Ghana, c'est dans les pays en voie de développement, en Afrique. Donc là, on a le plus vaste réseau de drones au monde. Et ces réseaux de drones est organisé par la société Zipline, une société californienne, qui a créé quatre hubs logistiques au niveau du pays. Et depuis ces hubs logistiques, la société peut envoyer des drones vers des hôpitaux, vers des médecins, vers des dispensaires pour livrer des médicaments, pour livrer par exemple des sérums antivenins, s'il y a une morsure, pour livrer des poches de sang. On est vraiment dans l'urgence parce que le réseau routier au niveau du Ghana est dans certains secteurs en très mauvais état, donc on gagne vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'efficacité. La moitié de la population du Ghana qui est couverte par ce service-là. Donc, le drone, dans la logistique médicale, il est agile, il est assez facile à déployer. On est dans une logique de dernier kilomètre, par exemple dans la livraison de greffons, et il est particulièrement adapté aux zones peu denses. Alors, les zones peu denses, on a eu une expérimentation justement en France de livraison de colis en Isère, entre la commune de Fontanille-le-Cornillon, 3 000 habitants à peu près, et Mont-Saint-Martin, 70 habitants, vraiment de petites communes. Donc, cette expérimentation a été développée par une filiale de La Poste. Donc, il y avait deux options. Soit je livre les colis par la route, une route très sinueuse de montagne. Le parcours, c'est environ 30 minutes pour 20 km effectués. Donc, ça prend assez, pas mal de temps. Et il y a eu l'année dernière une expérimentation par drone. Donc, l'idée, c'est de faire décoller le drone depuis la camionnette, donc avec un terminal adapté, et d'envoyer ce drone jusqu'à Mont-Saint-Martin. Et le parcours, c'est 8 minutes aller-retour et 3 km, hein, parce qu'on est en vol d'oiseau. Et une fois que le drone arrive à Mont-Saint-Martin, le colis est déposé dans un terminal de réception qui permet de stocker des colis à l'abri des intempéries et un SMS est envoyé au secrétaire de mairie qui peut amener le colis jusqu'au destinataire. Vu que c'est une très petite commune, c'était tout à fait envisageable. Donc, par rapport à cette livraison de colis, on a vraiment un gain de temps et on est beaucoup plus écologique. Rien ne sert d'envoyer un véhicule de 2,5 tonnes ou 3 tonnes jusqu'à Mont-Saint-Martin, alors qu'on peut utiliser un drone qui pèse quelques kilos et qui est capable de transporter un colis de 1 à 2 kilos également. Donc, on est vraiment dans une démarche aussi écologique et qui est très adaptée aux zones peu denses. Par exemple, au niveau alsacien, on pourrait très bien envisager une livraison par drone de ferme auberge ou d'habitat isolé. Au-delà des marchandises, il y a également le transport de personnes. Alors là, on rentre dans quelque chose qui est plus impressionnant, je dirais encore. Donc, vous ne rêvez pas. Paris est en train de réfléchir à expérimenter des taxis volants pour les Jeux Olympiques de 2024. L'idée, c'est de créer un maillage de drones qui transporterait des personnes entre l'aéroport de Charles de Gaulle et le centre-ville de Paris. Et ce projet, cette expérimentation, elle est portée à la fois par RATP, elle est portée par la région Île-de-France et également par la société Airbus et les aéroports de Paris.
Donc, Valérie Pécresse et la présidente de la RATP ont lancé cette démarche expérimentale en octobre dernier dans un aérodrome du Val d'Oise où les premières expérimentations devraient se faire deuxième moitié 2021. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est en train de bouleverser un petit peu le transport de personnes en ville. On ne sera pas dans une configuration de transport de masse, mais ça va faire évoluer l'offre de transport individuel comme les taxis. Et on va pouvoir gagner beaucoup de temps, par exemple, pour faire une connexion entre Charles de Gaulle et le centre-ville de Paris, vu qu'on fait. On va tout droit, hein, de façon rectiligne, hein, on n'a pas de problème d'engorgement, de bouchons. Donc, ce marché du transport de personnes, c'est un marché potentiel qui est très convoité. Et il est très convoité, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a la crise du Covid-19, qui a fait chuter drastiquement l'usage du transport aérien et qui a fait baisser la vente d'automobiles individuelles. Donc, aujourd'hui, on a sur les rangs, par rapport à ces projets, des sociétés comme Airbus, Bell, Boeing, Safran, qui travaillent sur le taxi volant. Mais on a également des constructeurs automobiles. Il y a Hyundai, GM, il y a même PSA, Toyota, Porsche. Tout le monde commence à réfléchir à ce sujet et le poids du marché à un horizon 2035, de ce transport de personnes par drone, pourrait peser jusqu'à 35 milliards d'euros. Ce qui n'est pas négligeable. Donc, on n'est plus du tout dans de la science-fiction. D'ici quelques années, cela va se concrétiser. Alors, pour accompagner le transport de personnes, le transport de marchandises dans nos villes, il faut des infrastructures. Alors, ces infrastructures, aujourd'hui, il n'y a pas de guide d'aménagement du CEREMA avec les infrastructures du drone à déployer dans la ville de demain. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de nouveau. Il y a des expérimentations, il y a beaucoup d'architectes qui réfléchissent à ces nouveaux aménagements. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très foisonnant, de très disruptif. On a tout d'abord les vertiports. Donc, ça, c'est pour les transports de passagers. C'est des lieux où les passagers peuvent descendre du drone ou monter dans le drone. C'est également des lieux où le drone peut se recharger. Donc, on pourrait imaginer avoir des vertiports au niveau des gares, au niveau des aéroports, au niveau des quartiers d'affaires, des centres-villes. Et ils pourraient se localiser sur les toits de certains immeubles également. On a un autre exemple qui peut paraître un peu plus farfelu, c'est la ruche à drones. Là, c'est pour le transport de marchandises. Il y a certains logisticiens qui imaginent des tours d'une dizaine de mètres de haut, voire 20 mètres, et qui enverraient des drones avec leurs colis. Qui seraient livrés après chez les particuliers ou dans les entreprises et qui permettraient en fait de mailler plus finement le territoire urbain. Donc Amazon a breveté ce concept en 2017, mais le drone peut re-questionner justement l'organisation de la logistique urbaine. On a également des infrastructures de livraison à domicile qui sont envisagées. Par exemple, des zones d'atterrissage pour que le drone puisse déposer le colis au niveau d'un immeuble ou au niveau des maisons individuelles, on pourrait imaginer des cônes hein, pour réceptionner le colis. Et ce cône pourrait être accessible, par exemple, depuis son garage et ainsi récupérer le colis. Alors là, c'est un futur encore plus lointain. Il y a un bureau d'architectes américain qui a réfléchi sur la ville de Shenzhen à la ville de demain. Et dans la ville de demain, on parle même d'autoroutes à drones sur lesquelles pourraient circuler les drones transportant les marchandises, transportant les personnes. Et ça permettrait justement de faire gagner de la place dans la ville, parce que le drone occupe peu de surface. Il est relativement compact. Et c'est pour ça que le bureau d'architectes a vraiment représenté une forêt urbaine ou une ville verte. Donc, c'est une vision un peu utopique, mais qui doit nous re-questionner par rapport à l'arrivée du drone dans la ville et des aménagements à créer. Donc, la conclusion pour les infrastructures, c'est que tout reste à imaginer et à développer. Il y a un magnifique champ pour les architectes, même pour les agences d'urbanisme, pour les années qui viennent, sachant qu'aujourd'hui, on planifie, on conçoit la ville en deux dimensions. Demain, il va falloir réfléchir à la troisième dimension avec l'arrivée, le développement du drone. Alors, au-delà des transports,
Le drone répond à une multitude d'usages. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout le monde connaît les photos, les vidéos. On a tous vu ces vues incroyables des villes françaises et des villes dans le monde désertées par leurs habitants lors du premier confinement du printemps dernier. Ils peuvent servir à l'agriculture, par exemple, vérifier que les cultures sont en bonne croissance, en bon état de santé. On peut vérifier le niveau d'humidité, est-ce qu'il faut arroser, pas arroser. Il y a également une expérimentation qui est en cours pour déployer des produits phytosanitaires sur les terrains en France dans le cadre d'agriculture biologique. Et il y a bien d'autres usages. Donc, c'est l'observation, c'est un usage pour l'urgence. Par exemple, lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, on a eu des drones qui ont vraiment aidé qui ont aidé les pompiers par rapport au traitement de l'incendie. On a également des spectacles, on a beaucoup de choses en fait par rapport aux drones, beaucoup d'usages, et Terence pourra nous en parler davantage par la suite. C'est pour ça je vous propose de passer sans transition au témoignage de Terence par rapport au drone et par rapport à l'école du drone. Donc, Terence, à toi la parole. Oui, bonjour, merci. Bonjour à tous. Je suis Terence Figueiredo, je suis le fondateur de Powerhouse Gaming, centre de formation e-sport. Donc e-sport, pour ceux qui ne savent pas, je restitue vite fait, mais c'est la compétition du jeu vidéo. Et je suis aussi le cofondateur du programme 22, qui est à destination de l'outil drone pour permettre en fait de former des télépilotes de drones et les distribuer sur le marché. Donc, on est parti d'un constat simple. Je fais tout de suite les liens et après je développerai, hein. On est parti d'un constat très simple, c'est que les gamers ont l'habitude d'utiliser des outils un peu particuliers et ont développé en fait une certaine dextérité avec ce type d'outils, dont le drone. Et dans notre réflexion, donc on est deux dans ce projet, hein, il y a moi et il y a Gérald Cohen aussi. On a fait notre étude de marché et on a vu qu'aux États-Unis, ils piochaient les télépilotes de drones dans les gamers, dans le jeu vidéo. Et là, on s'est dit déjà qu'on avait une réflexion qui apparemment était juste et on s'est demandé comment on allait créer les liens et comment faire des télépilotes. À la base, donc, on s'était dit, c'est on va utiliser les compétences développées par les jeunes dans le gaming pour les utiliser et développer justement les formations et développer les futurs télépilotes. Mais ce qui s'est déroulé, donc bon, on le sait, hein, le 22 a beaucoup de mal à voir le jour parce que les programmes ont changé, parce que la crise du Covid nous a un petit peu ralenti, etc. Mais il y a en fait un facteur plus important, on va dire, au retard qu'a pris 22 par rapport à son départ initial. C'est qu'on a eu une demande qui était très forte par rapport à ce qu'on avait prévu de faire. À la base, on s'était dit, bon, on va faire des télépilotes, on va les former comme il faut, et derrière, on va les distribuer dans les entreprises. Sauf que les entreprises, beaucoup, dans plusieurs secteurs, sont venues nous voir immédiatement pour nous dire, ben, nous, on est intéressés par vos télépilotes, mais on est aussi intéressés par les solutions que vous pouvez apporter, pas juste le télépilote. Et là, on s'est dit, bon, d'accord, on a compris, juste les télépilotes, ça ne suffit pas. Les entreprises, ce qu'il leur faut, c'est les solutions qui vont avec. Et avoir des télépilotes qui ne savent pas juste piloter le drone, mais qui savent aussi l'utiliser, en faire la maintenance, comprendre l'univers dans lequel le drone va être déployé, etc., etc. Ce qui a été frappant, ce qui a été très frappant pour nous quand on a créé 22, c'est que l'armée de terre s'est intéressée très rapidement à nous. Et à partir du moment où l'armée de terre s'est intéressée très rapidement à nous, là on avait la preuve en fait que le drone à lui seul n'allait, enfin les télépilotes n'allaient pas suffire et qu'il fallait qu'on les forme plus profondément et qu'on apporte des solutions par rapport à ça. Donc, au niveau des informations, ce que je peux déjà dire, c'est que nous, ce qu'on cherche dans le drone, c'est une utilisation. Bon, là, on parle d'urbanisme, mais c'est vrai que bon, l'urbanisme est l'une des thématiques phares de l'utilisation du drone.
avec Gérald, on a ce sentiment que, et c'est marrant, tu en parlais juste avant, mais on imagine, là, je vois les architectes, ils imaginent des autoroutes de drones de transport. Pour l'instant, on imagine du transport. Parce que c'est ça, le sentiment que j'ai, c'est qu'on imagine beaucoup de transport. Mais peut-être que demain, un peu comme la voiture, ce sera peut-être le transport personnel des personnes. À l'époque, quand on est passé du cheval, tu l'as très bien illustré, quand on est passé du cheval aux voitures, il y a des choses qui ont dû se mettre en place. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Une fois que l'outil, la voiture est arrivée, on a compris qu'il fallait le démocratiser, et que ça allait aider les gens et faire gagner du temps, etc. Ben, je pense que pour le drone, c'est pareil. Là, on en est à la livraison et au transport type bus, type taxi. Mais peut-être qu'un jour, ce sera la fameuse voiture volante dont on nous parlait dans les années 2000. Ça, ce n'est peut-être plus de la science-fiction, comme tu dis. Je me permets Oui. de, parce qu'il y a une question qui est revenue, Oui. selon une personne qui a chanté, mais une deuxième. Le drone de transport de personnes, enfin les taxis volants, ne serait pas du drone. Tout à fait ce qu'on pourrait Alors, appeler du drone, voilà. c'est de l'hélicoptère. Oui, exactement. Concrètement, bah, vu la taille du Oui. drone, en fait, le drone est normé à un certain poids, une certaine taille, etc. Là où finalement les taxis drones, ils ressemblent plus à des hélicoptères urbains qu'on pourrait utiliser de manière légale en dehors des hélicos. C'est pour ça que je disais, le transport, c'est une chose. Le transport de personne à personne, c'est une chose, mais peut-être qu'à un moment donné, au niveau des normes, on trouvera le modèle pile-poil pour que les gens puissent se transporter eux-mêmes seuls et du coup que ça reste du drone à proprement parler. Mais Alors c'est vrai que le maintenant, taxi drone, on est plus sur un hélicoptère, un quadricoptère qu'un drone, ça c'est clair. Bon, en ce qui concerne du coup alors là je parle un petit peu de 22, mais je vais surtout parler on va dire des expériences qu'on a eues avec les différents acteurs qui sont venus nous voir. Donc, on a des acteurs de l'agriculture qui sont venus nous voir, qui ont la volonté de passer au drone, ou alors qui ont déjà l'outil drone, mais qui n'ont pas les gens formés, l'urbanisme, l'événementiel, qui est venu nous voir. Et ce qu'on avait compris avec Gérald il y a 2 ans, hein, c'est que les télépilotes étaient surtout sur la prise de vue. Voilà, ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, c'est que les télépilotes étaient sur la prise de vue. Chose qui est importante, mais du coup qui ne convient pas forcément au monde de l'entreprise que nous on vise du coup avec le programme 22. Donc 22, à la base on l'avait imaginé, je dis beaucoup à la base, hein, je suis désolé, mais c'est vrai que de départ on l'avait imaginé donc comme on forme des télépilotes, on leur donne un programme initial de formation de télépilotage, on les distribue dans le monde professionnel et c'est fini. Sauf que ça n'a pas suffi, on a dû revoir le programme. C'est l'une des raisons du retard du lancement de 22, c'est qu'on a dû revoir tout le programme. Le programme, en ce qui concerne la formation, n'est pas de former que des télépilotes, mais physique, c'est-à-dire avec l'outil en main. C'est aussi de leur apprendre à programmer la machine pour qu'elle puisse être autopilotée. Donc ça, c'est déjà une première chose. C'est aussi de comprendre les univers professionnels. Si une personne ne connaît rien à l'agriculture, ça ne marchera pas. Donc, il faut qu'elle ait une certaine connaissance de l'agriculture. Donc, en fait, on a revu notre programme qui, à la base, était en 1 an de formation. On l'a revu pour en faire une formation plus longue de 3 ans. Et dans cette formation de 3 ans, il y a des troncs. Donc, il y a des troncs par secteur parce que, du coup, le drone doit être segmenté pour pouvoir avoir des gens formés très efficaces. Donc, ce que je peux déjà plus ou moins annoncer, parce que beaucoup de gens nous demandent, mais ça en est où 22? Ça nous intéresse beaucoup, etc. 22 a pris du retard, on le sait tous. Mais j'ai une très bonne nouvelle de la part de Gérald. C'est pour ça que je te l'ai gardé en surprise, mais j'ai une très bonne nouvelle, c'est que c'est prévu pour 2021. C'est l'ouverture du programme 22. Donc l'école ne s'appellera peut-être pas forcément 22. Je vais me préciser quand même que ça ne choque personne. C'est le programme qui s'appelle 22. Mais du coup, le nom de l'école va peut-être changer. Mais en tout cas, ouverture prévue septembre-octobre 2021. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis dans le cadre du programme Cité éducative, qui est au coteau, on a travaillé avec eux et ils ont accepté en fait de nous aider à démarrer financièrement le plan de formation, ce qui nous permet en fait de le démarrer à septembre-octobre 2021. Le programme, lui, est prêt. Le matériel, la commande de matériel pour faire le programme, il est en cours de préparation.
La zone de formation pour pouvoir essayer tous les outils, etc., ben, c'est prêt. J'imagine que Gérald fait ce qu'il faut de son côté, donc c'est prêt. Donc voilà, on va pouvoir démarrer. Et voilà ce qu'il en est en gros de l'ouverture de 22. Ensuite, pour maintenant l'utilisation à proprement parler du drone, elle est venue en tout cas, la demande des entreprises d'apporter des solutions, on n'avait pas imaginé aussi grande. Ça, je l'avoue, on n'avait pas imaginé aussi grande. Et à ce moment-là, donc, on a des entreprises qui sont venues nous voir. Donc là, j'en parlais la dernière fois, mais il y a peu de temps, on est venu nous parler de thermographie pour savoir un petit peu comment on pouvait repérer, par exemple, je sais pas, des fuites de gaz, ce genre de choses, comment on pouvait en fait faire de la prévention en termes de sécurité. On est venu nous voir par rapport à ça. Et là, une fois de plus, on a compris qu'il y a beaucoup de faits divers dans l'actualité qui pourraient être évités à partir de drones. L'outil drone est présent, c'est-à-dire il existe, etc., mais il manque les gens formés pour utiliser cet outil drone et pouvoir du coup, faire quelque chose de plus démocratisé dans tous les univers. Donc là, je parle bien du public, mais aussi du secteur privé. Et c'est là, je pense, que notre programme. On l'a pas voulu le lancer tout de suite parce qu'on a pris conscience en fait de l'importance de ce programme et de l'attente qu'il y avait par rapport à ça. Et on s'est dit, bon, on préfère faire quelque chose de clair, de sérieux et qui puisse être distribué pour apporter des solutions immédiates plutôt que de se dire, bon, allez, on envoie des télépilotes sur le marché et ils s'adapteront déjà, on va dire, à ce qui se fait en temps normal. Et puis voilà, l'adaptation sera tout seul. Mais en fait, non. C'est plus technique que ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est que là, on a affaire en fait à des faits divers qui peuvent avoir atteinte à la vie d'autrui, à la sécurité d'autrui. Donc, on peut peut-être sauver des gens ou sauver du patrimoine, etc. Et du coup, voilà, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on amène les jeunes ou moins jeunes le mieux formés sur le terrain. D'où le retard. Mais voilà, là, je peux l'annoncer officiellement. Ça voit le jour en septembre, octobre 2021. Donc voilà, je suis assez content. Et sinon, bah, je crois que c'est tout. Je peux répondre à des questions s'il y en Voilà, avait. les questions vont un peu dans votre sens, hein, de former c'est pas que des pilotes qui savent utiliser un outil technique, mais qui vont au-delà des compétences. Alors, je prends les questions dans l'ordre, hein, d'arrivée. Question des drones, des taxis volants se posent où à Paris? Donc, la réponse était venue après dans votre Oui. diapositive. C'est par les vertiports. Alors aujourd'hui, ça peut paraître, Voilà, ça vient voilà, juste ça peut paraître un peu futuriste. Mais par exemple, Aéroport de Paris a mandaté un bureau d'architectes pour réfléchir à un concept de vertiport au niveau de la région parisienne. Et donc, il y a des choses en cours. Et je vous invite à aller sur le site Aéroport de Paris. Il y a un certain nombre de choses justement très intéressantes là-dessus. Et tout reste à faire. Des questions aussi, on en a un peu parlé sur qu'est-ce qu'un drone, est-ce que finalement les taxis volants sont encore un drone, qu'est-ce qui différencie d'un drone d'un taxi, alors est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait personne, pas de pilote embarqué, est-ce que c'est ça? Alors, pour répondre à titre personnel, hein, je ne pense pas que le drone, on se dit d'un outil drone, à partir du moment où il y a un pilote à l'intérieur, ce n'est plus un drone. Non, non, je pense vraiment que c'est une question de gabarit. Un immense drone, à un moment donné, c'est un quadricoptère. Voilà. Un bus est un bus, une voiture est une voiture. Enfin, on se comprend, mais je pense que le drone, c'est vraiment une question de gabarit. Et là, les drones qu'on a vus, les taxis drones qu'on a vus, sont immenses. Voilà, je pense vraiment. On peut le piloter comme un drone, c'est-à-dire la technologie drone est présente. Mais en fait, cette technologie drone pourrait être tout à fait être présente dans un hélicoptère normal aussi. Donc pour moi, c'est une question de gabarit plus que de technologie. Lorsqu'on question d'une définition du drone à usage professionnel. Alors le drone, c'est vaste. Le drone à usage professionnel, c'est un outil de. Enfin, voilà, c'est un outil utilisation professionnelle. Donc, ça va pas être à des fins personnelles. Un drone professionnel, c'est ce que vous allez utiliser dans une entreprise en tant que machine en fait de travail. J'extrapole, je fais un comparatif, mais une machine d'usinage dans une entreprise d'usinage, c'est une machine de travail. Là où le drone sera pareil, il sera utilisé dans la même fonction à des buts de production ou de solution pour l'entreprise afin de produire plus rapidement, gagner temps, etc. Mais c'est un outil de travail. Voilà. Machine, c'est comme ça que je définirais dans une entreprise. Il y a une question autour de la sécurité de la réglementation.
Alors, s'il y a des drones qui permettent de transporter des personnes, quand tout le monde pourra aller partout au volant, ce sera l'enfer. Il faudra réglementer. Alors, certains disent pour les Alors, voitures aussi, il y a des réglementations partout. oui, il Pour faut les qu'on y arrive. trottinettes, on y met aussi. Oui. Voilà. Est-ce qu'il faudra des filets anti-hélicoptères partout? Si je peux, Quelle si est je la pourrais. contrainte physique? Ouais. Quels des projectiles Alors, voilà. pour répondre, je pense que comme toute nouvelle technologie, la manière dont on va l'utiliser dans nos vies, bah, ça va un petit peu changer complètement notre manière de voir les choses. Mettre des filets partout, non, c'est pas, évidemment, c'est pas raisonnable. Pour les voitures, on n'a pas mis des barrières partout non plus. Il sera mis ce qui doit être mis sur les axes de grand passage. Évidemment, je pense qu'il y aura des choses qui seront faites à ce niveau-là, comme pour les voitures, hein. Au bord des routes, il y a souvent des barrières de sécurité, etc., dans les grands passages, là où il y a de la circulation, des circulations d'enfants, etc. Ben là, je pense que ce sera la même chose avec le drone. Mais on va pas mettre des filets, je pense, partout. Et puis, il y a une question de confiance aussi, à un moment donné. Je ne parle pas de confiance en la technologie, je parle de confiance en l'être humain. L'être humain a été capable d'appréhender et d'utiliser un outil comme la voiture et d'en faire un usage commun. Pourquoi pas le drone? Bien sûr, la formation sera peut-être plus compliquée, plus technique. On parle vraiment de petites dimensions, tu le disais avant. Là où la voiture, on est plus sur de la deux dimensions, c'est à plat. Mais l'un dans l'autre, voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut plutôt faire confiance à l'humain plus qu'à la technologie qui, elle, semble bah, de plus en plus avancée et de plus en plus prête à rentrer dans ce monde. Voilà, c'est plus l'humain. Peux compléter un peu ton propos, mais effectivement, aujourd'hui, sur la technologie drone et sur les expérimentations de livraison drone, elle se passe surtout dans des secteurs peu denses pour livrer un nombre limité de marchandises. Aujourd'hui, dans la configuration actuelle, c'est compliqué de livrer en masse par drone, notamment en pleine ville. Il y a beaucoup de freins. Par contre, sur les zones rurales ou dans les pays en voie de développement, c'est quelque chose qui marche très fort. J'ai pas parlé du Rwanda, mais dans ce pays, en Afrique équatoriale, on a, je crois que c'est une part de plusieurs dizaines de pourcents de livraison de poches de sang qui se font par drone. Parce qu'on est sur un territoire, sur un pays très montagneux, avec des infrastructures compliquées terrestres. Donc le drone a tout son sens. Et il y a un enjeu pour qu'il puisse trouver sa place aussi. Une personne qui dit que c'est l'un des secteurs parmi les plus réglementés, à la limite de permettre encore l'activité de loisirs. Donc ça, c'est un commentaire. Oui. Et puis des questions sur le survol des zones sensibles du passage vers l'étranger, la Suisse, l'Allemagne. Alors, que j'imagine, c'est que voilà, je compare toujours avec des situations vraiment farfelues, hein, mais on prend une frontière. On a la frontière. Si une voiture, elle passe sans s'arrêter alors qu'on lui demande de s'arrêter, de toute manière, elle va se faire stopper immédiatement. Je pense que pour le drone, c'est pareil. Il ne va pas pouvoir survoler, il va être surveillé, il ne va pas pouvoir survoler et passer. Le drone, il va devoir se poser, faire la vérification avec les agents de douane, etc., puis repartir comme l'aurait fait une voiture normale. Je pense que c'est tout simplement comme ça que ça va se produire si un jour il y a ça. Après, bien sûr, il peut peut-être contourner, etc., mais des systèmes de surveillance pour toutes les zones, il y en a. Donc, s'il y a un objet volant non identifié qui est passé, de toute manière, il sera identifié et rattrapé le moment venu. Je ne pense pas que ça pose un véritable problème. Après, j'ai vu une remarque aussi de quelqu'un qui disait, oui, mais les drones ne roulent que sur les routes. Oui, je suis d'accord avec ça. Ça roule que sur les routes, mais dans ce cas-là, on va dire que les drones ne volent que dans le presque ciel. Ils vont pas encore dans le ciel, juste au-dessus de voilà. L'altitude basse. Ouais. Après, la nuisance sonore, j'y crois pas des masses parce que les voitures font beaucoup de bruit et pourtant on s'y est accommodé. Je suis pas certain que les drones vont faire beaucoup plus de bruit et vont pas. Attention, les points de passage et les routes ne vont pas passer près des habitations. On va pas passer. Alors, pour me donner d'une habitation de toute manière, tant qu'on est dans le ciel, ce sera quand même réglementé, mais ça fera dans tous les cas gagner du temps si un jour c'est démocratisé. Donc, vous voyez aussi d'un fil de conversation qu'il y a des informations qui passent, hein, notamment l'UHA, il y a un laboratoire des juristes, le CERDAC, qui travaille sur l'aspect juridique lié au drone. Donc, c'est bien le chat parce que ça permet aussi d'apporter d'autres Et informations, on en a informations besoin. complémentaires. Oui, on en a Merci. besoin, oui. Alors, une question avant que ça passe, voilà, c'est ça. Ça passe dans le fil. Une question directement sur l'école des drones. À qui elle s'adresse en priorité? Quelles sont les qualités que vous allez scruter chez les candidats-candidates et qui financent ce programme? Et y aura-t-il des cours du soir pour la formation?
Alors, tout ça, c'est des questions que Gérald aurait pu répondre s'il avait été présent. Je vais essayer de prendre les points à part. Le recrutement, en fait, il est destiné à tout le monde. Je pense qu'il est destiné à tout le monde. Il est destiné aux jeunes. Pardon. J'ai pas l'habitude. Il est non non le c'est destiné à tout le monde. Évidemment. Ceux qui sont juste après leur bac, etc., qui sont encore en cours d'études, ils seront pas priorisés. C'est juste que ça fait une continuité au niveau des études. Mais après, ceux qui se reconvertissent ou reprennent des études ou veulent tout simplement changer de corps de métier sont les bienvenus de toute manière. Là, il n'y a pas de limite d'âge pour le télépilotage de drone et l'utilisation professionnelle du drone. Ensuite, en ce qui concerne, je ne me rappelle plus exactement, c'était quoi les autres points Il y avait les cours du soir. Alors, les cours du soir, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y aura des programmes parallèles qui permettront des cours du soir justement pour les personnes en reconversion. Ça, c'était une des. On va dire que c'était un des points sensibles qu'on avait au niveau de la création des contenus. C'est qu'on ne voulait justement pas ne l'offrir qu'aux jeunes, en gros, qui avaient le temps d'aller à l'école finalement, parce qu'ils poursuivaient leurs études de manière normale. Non. Ça, on se l'est imaginé. Donc, je pense que les cours du soir, il y en aura. Je pense même qu'il y aura à terme de l'alternance. Donc, voilà, on est vraiment en train de concevoir. Là, ce qui va être ouvert en septembre-octobre, donc c'est la première classe, donc le crash test entre guillemets, mais voilà, ce sera le départ, ce sera la première classe avec 10 jeunes du programme et une dizaine de places ouvertes au monde. Et voilà, on verra comment on va faire. Et les programmes du soir, les programmes annexes, les programmes par alternance seront très, très rapidement annoncés à partir de là. J'avais une question sur la qualité des candidats et la finance. Alors, la qualité des candidats, c'est comme toujours, hein, c'est sur dossier. Quand on s'inscrit dans un établissement privé, c'est sur dossier. Donc, le mieux, on a un meilleur dossier, ou en tout cas, un bon CV, ou peut-être même une passion, hein, c'est-à-dire qu'on fait peut-être du drone par passion depuis un moment et qu'on a envie de professionnaliser cette passion, nous, c'est des points voilà, qui nous parlent. Donc, est-ce qu'ils sont prioritaires, je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous parle. Et au niveau des finances, je n'ai pas le tarif annuel d'un coût que représenterait une année de formation à 22, en tout cas au programme 22, donc je ne peux pas le dire, je ne sais pas. Je n'ai voilà, pas la réponse. C'est entièrement privé ou il y a des subventions C'est entièrement. Non, justement, c'est un peu subventionné. Hein. C'est pas entièrement privé, c'est un peu subventionné. Par exemple, le programme qui nous accompagne là, pour le démarrage subventionne les jeunes. Ce n'est pas nous qui subventionnons, ils subventionnent directement les jeunes qui seront inscrits. Mmh. Encore une question avant de revenir à des questions plus de sécurité, des réglementations. Quels sont les principaux débouchés aujourd'hui? Quelles sont aujourd'hui les entreprises les plus demandeuses? Alors, je ne peux pas citer les noms, je n'ai pas le droit, c'est confidentiel. Par contre, les secteurs d'activité, ça je peux. Donc, bien sûr, il y a la sécurité, l'événementiel, l'agriculture et le bâtiment. Ça, c'est principalement ce qui nous est demandé. On a même la compétition courte. Qui nous a contacté pour voir s'il n'y avait pas peut-être des futurs champions de pilotage de drone. Donc voilà, c'est tous ces secteurs-là et du coup, ça représente un nombre d'entreprises assez colossal. Voilà. Ça peut vous le dire, mais en tout cas, comme dit, du travail, entre guillemets, hein, du travail pour les télépilotes de drone, il y en aura. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est apporter aux entreprises un télépilote formé dans le secteur et avec les solutions nécessaires. Voilà, c'est ça qui est important. Alors après, on a une question et il y a une personne qui a répondu, mais je n'ai pas compris la réponse. Alors du coup, peut-être que la personne peut intervenir. Alors c'est une question de monsieur Fadi, alors je dois mal prononcer, qui peut survoler une zone rouge, et monsieur Philippe Martin a répondu, serait-il possible sur sa propriété privée d'un drone de moins de 250 grammes avec la règle de 1 pour 1. Et je ne sais pas ce que ça veut dire 1 pour 1. Alors je ne sais pas s'il peut prendre la parole, monsieur Martin. Il peut répondre, s'il peut. Bon, je ne sais pas si quelqu'un sait ce que c'est que le 1 pour 1. Alors là, je ne pourrais pas dire ce que je sais, du coup, c'est que. Allô, allô. Voilà. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Voilà, je voulais juste répondre à cette interrogation, donc la règle de 1 pour 1. Donc, quand on avec la nouvelle réglementation européenne,
quand on est en catégorie ouverte avec les drones, donc c'est un peu spécifique, donc catégorie ouverte, donc ce sont des drones de loisirs de moins de 250 grammes. Et donc, avec ces drones, on peut survoler sa propriété privée avec la règle de 1 pour 1, mais c'est-à-dire, c'est une règle qui a été établie par la DGAC. Donc, si vous voulez survoler à 5 mètres de haut votre propriété, vous devez être à 5 mètres de la clôture de la clôture de votre propriété. Donc, voilà. Donc, dans ce cas-là, vous avez le droit de le faire, mais c'est vrai que même en drone de loisir, survoler les zones publiques, l'espace public est interdit. Mais donc là, vous avez cette possibilité de survoler votre zone privée, enfin de survoler votre propriété avec la règle de 1 pour 1. Donc, je suis à 5 mètres de haut, je dois être à 5 mètres de la clôture. Okay. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme un cube virtuel. Une question, alors je ne sais pas si vous avez la réponse. L'aéroport est-il sensibilité à ce sujet? Les échanges sont-ils établis avec l'aéroport et aussi l'aérodrome de Rixheim H5, qui est aussi une question sur les besoins exprimés par les entreprises du territoire. Alors, je pense que des échanges ont démarré, mais là, pareil, c'est Gérald qui a les détails. C'est toujours compliqué, on est deux, moi je suis plus sur la partie terrain. Enfin, voilà. Et c'était l'autre question, c'était C'était en lien avec les besoins exprimés par les… Bah, il y avait l'aéroport de Rixheim H5. Les besoins entreprises, ouais. Les besoins entreprises, c'est de leur apporter des solutions. En fait, il faut bien s'imaginer que là, les entreprises, elles ont compris où pouvait être leur intérêt au niveau du drone en termes de coût et en termes de qualité de production et de rapidité de production. Donc, en fait, les entreprises ne demandent pas que les télépilotes. C'est clair qu'elles sont demandeuses de télépilotes. Non, elles demandent la solution qui va avec, c'est comment améliorer en fait leur flux dans l'entreprise. Donc, c'est là où nous aussi, on intervient un petit peu avec les entreprises pour leur proposer et imaginer avec eux des solutions pour voilà, développement de leur entreprise et dire une configuration, une transformation drone pour l'entreprise. Donc voilà. Mais c'est des entreprises qui viennent d'elles-mêmes nous demander et nous dire, voilà, le drone, je veux passer au drone, mais je ne sais pas comment. Et c'est là où nous, on doit apporter une solution, et pas simplement quelqu'un de formé, mais aussi la solution qui va avec, ou alors quelqu'un de formé qui saura appliquer la solution qu'on a imaginée pour eux. C'est là tout l'impact en fait, qu'on peut avoir avec le programme 22. Ce n'est pas juste des télépilotes, ils arrivent avec des solutions qu'on a imaginées avec eux, pour eux, pour les entreprises. Alors, il y a une remarque de M. Philippe Dorelli, le drone n'est pas forcément volant, il y a plein d'applications en souterrain pour les égouts notamment. J'en parle. Partout où on peut aller sur Mars. Oui, exactement. Le drone est terrestre, le drone est sous-marin. Merci Philippe, tu as raison de le préciser. Là, je donne un exemple, hein, mais c'est nouveau dans le farfelu, mais il y a, alors je crois que c'était il y a 2 ans, malheureusement, à Paris, il y avait eu l'explosion d'une boulangerie. Je ne sais pas si on se rappelle de ce triste événement. Et ça avait été dû à une fuite de gaz. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'elle aurait pu être évitée si des drones terrestres passant dans les égouts auraient pu faire de la thermographie et détecter une anomalie quelconque. Et peut-être que ça aurait pu être anticipé. Mais une fois de plus, l'outil, c'est une chose. Le développement d'une solution de ce type, c'en est une autre. Et le télépilote qui est capable de comprendre tout cet univers-là et du coup de pouvoir appliquer la solution qui a été imaginée, c'en est encore une autre. Donc voilà, et je pense que des cas, et c'est ce que je disais avant, avec les faits divers, il y en a beaucoup. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient être évités à partir de solutions à base d'outils drones. Et c'est là où je remercie Philippe que je puisse rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un point qui est important pour moi, c'est que voilà, il y a les drones volants, mais il y a les drones terrestres, les drones sous-marins, et tous peuvent apporter des solutions assez incroyables, parfois inédites. Il y a une question alors de Christelle, qui est urbaniste à l'agence, qui s'occupe beaucoup de PLU et de réglementation. Y a-t-il des incidences négatives déjà clairement identifiées ou estimées sur les oiseaux, collisions, nuisances sonores, ondes? De ce que j'en sais, non. Je n'ai pas l'impression. En tout cas, sur le sujet, il n'y a pas beaucoup de littérature. La littérature, elle est plutôt technique. C'est plutôt les constructeurs qui font leur communication. C'est des projets innovants. Mais on n'a pas encore vraiment de back-office, de problèmes spécifiques, de mesures d'accompagnement. C'est plutôt l'inverse.
Ouais. C'est les problèmes viennent plutôt des gens qui s'amusent malheureusement à tirer sur les drones. On est plus ça là, c'est plutôt l'inverse là pour le coup. Il y a certains qui malheureusement voient des drones passer, s'amusent à leur tirer dessus et du coup le drone est fichu. Et là du coup ça devient dangereux parce que si le système de sécurité est touché au moment de l'impact par exemple d'une balle ou que sais-je, là ça peut tomber sur quelqu'un et faire très mal. Alors que c'est pas comme un avion, ça va pas aussi vite. Donc du coup s'il y a des oiseaux qui passent en général il n'y a pas collision, il n'y a pas collision avec le drone. Voilà. On a quelques questions sur l'organisation de la profession en elle-même. Alors, l'offre passera par des sociétés de services drones ou des entreprises souhaitent-elles embaucher des télépilotes directement? Comment se structure l'offre? Les deux. Et une autre personne dit, je suis télépilote indépendant et je constate que les entreprises préfèrent former en interne. Alors oui, alors pour la première question, je pense que c'est les deux, tout simplement. Pour la remarque sur les entreprises en interne, les entreprises qui préfèrent former en interne, c'est qu'elles ont déjà la solution. Et du coup, elles savent exactement ce qu'elles veulent. Là, moi, je parlais bien des entreprises, beaucoup d'entreprises qui n'ont pas les solutions et qui demandent. En fait, toutes les entreprises, même qui utilisent déjà le drone, toutes ne préfèrent pas non plus former en interne. Vous êtes tombé sur une entreprise qui préfère ça, mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Chacune fait ce qu'elle a envie. Une remarque, il y a une vraie complémentarité entre votre formation et les activités menées à l'université. Complètement. Voilà. Complètement. Et aussi, par rapport à ce que vous disiez, l'allongement des durées de l'étude, peut-être de proposer une compétence rare en complément de la formation drone, c'est peut-être quelque chose Oui, on est dans qui. une optique assez claire avec le programme 22, c'est que pour l'instant, on est sur une formation d'excellence. On en est vraiment sur une formation d'excellence. Donc, le nombre de formés qu'on va sortir ne sera pas immense au départ, vu que justement, on fait une formation d'excellence. Et dans cette formation d'excellence, il faut imaginer des troncs. Et ces troncs communs, donc il y a le télépilotage, la programmation du drone, etc. Enfin, il y a l'utilisation du drone en toutes circonstances. Et puis, il y a un apprentissage secteur métier par rapport à ce que la personne veut faire de son drone et comment l'utiliser. Donc, voilà. Donc, ça reste une formation d'excellence qui, par la suite, sera peut-être ouverte vraiment au plus grand nombre. Je ne sais pas si un jour ça se développe, etc. Mais pour l'instant, on va vraiment le garder dans un noyau central ici, à Mulhouse, en faire le centre d'excellence à Mulhouse et derrière voir comment ça se développe. Ça se trouve, le modèle tel quel, en type école d'excellence, suffira. On préfère avoir 100% de. 100% de réussite dans que voilà que d'ouvrir et pas avoir les mêmes taux. J'ai juste une petite question, c'est d'où viennent les étudiants potentiels? Est-ce que c'est plutôt local, national ou international? Alors, Vous visez quoi? au démarrage, ce sera local. Parce que l'information ne sera quasi que dans la région, ce qui est normal. Donc voilà, mais par la suite, ce sont des entreprises d'autres villes, hein, nous ont déjà contactés pour la forme des jeunes. Pareil, l'armée de terre, ils ne vont pas venir que ici, etc., etc. Donc voilà, dans un second temps, ce sera sûrement national. Je l'espère sincèrement. Il y a une question assez technique hein, de Monsieur Loïc Bourmelen, qui est du CEREMA. La technique, c'est Gérald, hein. Consacre au traitement des données dans la formation, prise en main des outils de photogrammétrie sur étagère, par exemple, intégration des orthophotos dans les FIG, traitement spécifique du thermique. Alors, je Oui. pense que quand vous aurez un programme, vous enverrez à Monsieur le Carmelin, comment ça va Absolument, marcher. absolument. On va garder votre contact et vous envoyer toutes les réponses. Gérald vous les enverra sans problème parce que là, j'ai pas envie de vous répondre des bêtises. Ça, c'est pas ma maîtrise à moi, c'est celle de Gérald pour lui. Alors, des questions. Alors, c'est vrai qu'on va essayer de tenir l'heure hein, comme Oui. on faisait en présentiel. Une seule question, je l'ai mis en vrac. Quelles sont les expertises métiers recherchées justement? En quoi le bâtiment s'intéresse au drone? Qu'est-ce qui vous différencie d'une école classique? Qui finance cette formation? Ben, je pense qu'on a répondu. Alors les compétences, déjà, il faut avoir une certaine appétence pour la programmation. Ça, je pense que c'est un fait, ou alors on vous l'apprendra, mais
le langage, le code, c'est quelque chose qu'il faut quand même apprécier. C'est assez rare d'avoir des gens qui l'apprennent sur le tas et qui finissent par l'aimer. Voilà, c'est un langage un peu à part. Donc, il y a ça. Il y a aussi cette motricité tridimensionnelle qui est très importante et que moi, par exemple, avec PHG, je recherche dans mes gamers. C'est cette dextérité à comprendre les axes et les axes inversés, voilà, qui est très importante pour le pilotage de drone, parce qu'une fois qu'il est facilité, il pilote avec programme, c'est une chose, mais quand il faut reprendre la main dessus, là, il faut avoir des certaines compétences à ce niveau-là. Ensuite, c'était en quoi le bâtiment s'intéresse. Alors, il y a une personne qui a répondu. Inspection de toiture, fissure, en étude. Exactement. Voilà. Entre autres. Mais c'est déjà très complet, mais voilà, entre autres c'est ça. J'essaie de me dépêcher parce qu'il me reste 2 minutes, c'est pour ça que je me défais, je suis désolé. Je ne peux pas prendre le temps de discuter, et qu'on faisait un peu d'ensemble. Voilà. Qu'est-ce qui vous différencie d'une école classique? Alors, qui nous différencie d'une école classique, c'est déjà qu'elle a été longue à monter, hein, cette école, déjà il y a ça. Et non, ce qui nous différencie, c'est que en fait, c'est dans tous nos programmes qu'on lance, là, je parle au nom de Gérald aussi, hein, on lance souvent des choses qui sont inédites et qui sont un besoin d'un marché nouveau. Voilà, et c'est, je pense, ce qui nous différencie. On entre dans une manière de former au niveau du drone qui est toute nouvelle. Et c'est là, je pense, où on se différencie des autres. Mais après, je ne parle pas vraiment d'une différenciation. On parle plutôt on parle d'une solution en fait qui est adaptée aux besoins des entreprises et au secteur grandissant, tout simplement. Alors, si vous avez encore des questions, vous pouvez joindre par exemple Stéphane par mail, hein, qui pourra relayer tout à fait, ouais. Plus tard. Comme il y a déjà des personnes qui se déconnectent, moi je voulais juste vous remercier pour avoir été attentif. Hein. Jusqu'à 9h et vous dire que nous allons continuer notre programme de matinale pour l'année 2021 ainsi que les avant-midi. Dès qu'on pourra, on le fera en présentiel.